et système éducatif là. On l'a joué à faire des bassins. Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, la Charte fait sortir une note. Mes notes là. Le 18 septembre 2017. Confédération des Haïtiens pour la réconciliation, nous gagnons plus de 10 années depuis notre bataille pour nous. Si le pays a organisé, ça nous est le grand congrès de l'entente interhaïtienne et que l'autre modèle est conférence nationale, dialogue national, on y a parlé de dialogue de secteur, etc. État généraux sectoriel. État généraux sectoriel. Mm-hmm. Maintenant, là, nous réfléchissons sur la situation objective. Là. Dernier événement, nous avons plus de préoccupations. Parce que ça qui passe le 12 septembre, là, nous avons dit dans la rue, il y a un coordonnateur ouest de la société civile Papa Mouri, m'a passé pour un secrétaire général Konas là, pour aller dans l'enterrement, même dit, je ne passe en bas, m'a passé pas. Et puis quand je vais devant moi, je vais du feu. Donc, il est vrai que je descends vite. Moi, il y a un signe, il dit, je vais faire ça. Donc, je retourne. Même trouver que, pour nous-mêmes, c'est un bac by ça fait pays à faire. Le fait que craser Bruxelles. C'est un combat extraordinaire pour l'opposition. Si on fait une manifestation qui réussit sans violence. Et c'est un bagage pédagogique. Parce que si on fait des revendications qu'on considère qui juste, on va craser des bagages de monde qui avant, qui ont même problème avant. Ça, c'est pas bien. Mais nous signalons que situation ça a, il semblait tête coupée avec problème que le pays a été gagné en 1879. Dans le bras en canal, Armand Tobi, député Boye Bazel qui était chef parti libéral, Hannibal Price, Edmond Paul, Demes Vadelhomme, qui était président de la Chambre. Ça a passé là. Bataille qui commençait dans la Chambre, elle continue dans rue Pavé. Fait 5 semaines avec coup de zam dans la zone Kay Boye Bazel qui était chef parti libéral. Vous connaissez parti libéral, c'est le pouvoir au plus capable, et parti national, c'était le pouvoir au plus grand nombre. Donc, pays a une distribution ça. Maintenant, il y a deux députés libéraux qui ont sauté Gonaïf. Là, vous pensez qu'il fait Port-au-Prince, il y a tant de bagages là. C'était Beato Fils avec Ramir Dalancourt. Ils ont décidé, ils ont retourné, ils ont passé Saint-Marc. Ils ont convaincu Saint-Marc la révolution. Ils ont arrivé, ils ont attaqué l'Asnal dans Gonaïf. L'Asnal, commandant l'Asnal a tiré Eriston Erissé. Ils ont pris l'Asnal et puis ils ont décidé. Vin faire la guerre dans Port-au-Prince. Donc là, nous-mêmes, nous te disons attention. Situation, ça nous est là. Et sous l'autre média, nous intervenons sur la question. Ça, on dit les types, ils peuvent être minoritaires à la Chambre. C'est pour ça, dans la fin, ben là, nous recommandons qu'ils rencontrent parlementaires opposition. Yo. Tout. Parce que, ils ont une minorité à la Chambre, mais ils n'ont pas obligé minoritaire dans le pays. Ya. Et c'est ça, nous craignons. Maintenant, son droit constitutionnel que le peuple a gagné pour le faire manifester, pour faire manifestation, mais violence pas doué là-dedans. Et affaire de rachement, yo, pour débiter un rachement, combien de cas ça nous fait? En réalité, affaire rachement, yo, là, son bail pour nous bannir. L'alternance démocratique, c'est ce qui fait la force des pays des temps modernes. La République dominicaine bat nous. Jean la bat nous, c'est du cap vous manger à droite à gauche. Il y a l'appel l'autre bois. Il y a un problème, tout, l'autre jour, une grosse manifestation. Mm-hmm. Fait. Yeah. Tout le peuple a dans la rue pour corruption. Ou t'es en train de dire rachement. Donc, le rachement, yo, kisme, son bagage pour nous éliminer.